Yorana, je m'appelle Emery, je suis animatrice sur Polynésie la Première. Ça fait peut-être un peu plus de 5 voire 7 ans que je travaille pour cette chaîne qui m'a vu grandir. J'ai grandi en regardant beaucoup d'émissions sur RFO et Polynésie la Première à l'époque, et j'adore le métier que je fais et j'aime aussi les personnes avec lesquelles je travaille au quotidien. Il faut savoir que il fait partie de ces visages avec lesquels on a grandi. C'est une des voix les plus marquantes que je retiens. Il me manque parce qu'il avait cette espèce de bonne humeur, de joie de vivre, cette envie de vouloir faire la fête ou faire la brinque, de vouloir jouer, mais aussi apprendre la langue. C'est tout ça qui me manque du personnage. En dehors de ça, je connaissais Mario de par notre paroisse protestante. Il a été le président jeunesse de notre paroisse à Pa'ofei. Il a monté tout un tas de spectacles, que ce soit des danses hawaïennes, maori, samoa. C'est quelqu'un qui savait animer et puis motiver toutes les personnes qui travaillent avec lui. Donc c'est toute cette énergie, toute cette générosité de Mario qui me manque et qui nous manque à tous. Il y a quelque chose de fort chez nous, c'est la joie de vivre et puis l'amour pour la musique, les bringues. C'est une des facettes de Mario. C'est un héritage de Mario aussi, souvenez-vous. Il a accueilli de nombreux artistes dans son émission Pelletay. Donc chaque fois que vous ferez la bringue avec Polynésie la Première, ayez une petite pensée pour notre Mario qui est en train de faire la bringue là-haut avec les artistes qui l'auront rejoint. Maruru pour votre fidélité à Polynésie la Première.